Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 374 nan rubrik nou an Ma Bible mon trésor. Nous continuons avec notre sujet sur survol sur les prières de Néhémie. Déjà dans la prière mentionnée en Néhémie chapitre 1 verset 5 à 11, gen pile leçon nous capable tirer. Premièrement, Néhémie était conscient, li gen problème, peuple juif la gen problème, Jérusalem gen problème et on seul moun genyen la toute solution, le Dieu des cieux. Et dans situation ça, pour pas faire corvée, ni perdre temps, il s'adresse à Dieu. Et là encore, Néhémie pas simplement pote problème yo bay bon Dieu non, li bay bon Dieu gloire parce que nan caractère bon Dieu, il est grand, redoutable, fidèle à ses promesses et miséricordieux. Ensuite, li confesse péché ak péché peuple là. Li mande bon Dieu succès ak directive pour bel projet que il te gagné pour la ville Jérusalem. Deuxième leçon nous capable tirer, c'est la constance de Néhémie dans la prière. Néhémie priait jour et nuit. Néhémie assiégeait le trône de Dieu. Cette qualité du leadership de Néhémie dans la prière, rappelez-nous la parabole de Jésus en Luc chapitre 18. Jésus leur adressant cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La persévérance dans la prière. Persévérance veut dire aller jusqu'au bout avec sérieux. Persévérer dans la prière veut dire aller jusqu'au bout de la prière avec sérieux. Sérieux ici t'avait dit en pile bagaille. Bon, bien que c'est pas sujet à ça. Mais nous capable comprendre que Néhémie ne priait pas par simple habitude. Il persistait devant Dieu, il implorait Dieu jour et nuit. La prière était tournée yo fardeau pour Néhémie. Partout où il allait, il priait sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Troisième leçon. Prier Néhémie en te chita sous connaissance et bonne connaissance que te gagné de la parole de Dieu. Néhémie te connaît plein bon Dieu, promesse bon Dieu, volonté bon Dieu. Et la prière de l'homme de Dieu était en harmonie avec ces choses. Ici, Néhémie pas inventé un rien. Attitude de Néhémie, rappelez-nous, cette parole de Charles Spurgeon qui dit « La prière n'est rien que d'apporter des promesses de Dieu auprès de lui en disant « Fais comme tu as promis ». La parole de Dieu, la promesse de Dieu est la meilleure fondation pour nos prières. C'est belle bagaille, oui. Leur compte parole bon Dieu et puis tout wap la prière li la prière chita sous promesse avec parole bon Dieu et puis tout yo chrétien pas capable oser dire moi-même c'est la prière seulement m'konn la prière m'pa konn parole bon Dieu parce que pour prier bien faut ou connait la parole de Dieu et également depuis ou connait parole bon Dieu wap senti yon nécessité pour mener yon vie de prière. Prier avec la parole de Dieu, c'est prier selon la volonté de Dieu. Et laisse ça, nous gagner pleine assurance. Dieu exaucera nos prières. Qu'on y a, l'état bon. Pour nous faire un petit réfléchir sur qualité vie de prière que nous menons. Quel est votre niveau de persévérance dans la prière? Est-ce que vous priez une fois par fois? Ou bien est-ce que vous priez jour et nuit? Est-ce que vous assiégez le trône de Dieu dans la prière? Deuxièmement, est-ce que priez Yoshita sous connaissance parole bon Dieu? Est-ce que vous priez dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions, selon Jacques 4, verset 1er? Ou directement, est-ce que vous priez dans le but d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie et pour son peuple? Zami mwen, gen an pil lot leçon encore pour nous partager ensemble avec vous concernant les prières de Néhémie.
Nous espérons que vous avez été connecté ensemble avec nous. Merci pour nous abonner, pas oublier. Al souti cloche notification, choisis tout. Et vous recevrez tout numéro rubrique ça quotidiennement. À la prochaine.